Ça a l'air sympa, hein? Ça donne envie de regarder le film. Aujourd'hui, pour cette cinquième émission, je vais vous présenter Origine. Origine est un film d'animation japonais sorti le 28 juin 2006. Il a été réalisé par Keiichi Sugiyama. Keiichi Sugiyama a déjà une carrière bien remplie derrière lui puisqu'il a entre autres travaillé sur quelques épisodes de City Hunter ou Nicky Larson, pour ceux à qui ça parlerait un peu plus. Il a également travaillé sur des épisodes de Macross et Neon Genesis Evangelion. Je pense que vous connaissez bien, en sachant que Nicky Larson, c'était quand même un dessin animé qui passait sur le Club Dorothée, que Macross, c'est aussi une série qui est très connue, et Evangelion, bien sûr, une des plus grandes séries de l'animation japonaise qui a carrément révolutionné le concept même de mecha. Il a également composé de nombreuses musiques pour les jeux vidéo. Origine est son premier long métrage, son premier et pour l'instant le seul, et il a été réalisé d'après une histoire originale d'un certain Umanosuke Ida. Pour ceux à qui ce nom rappellerait quelque chose, c'est normal. Umanosuke Ida a entre autres travaillé sur Nausicaa. Nausicaa qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Il faut aussi savoir qu'Origine a été présentée en compétition officielle au Festival International d'Annecy en 2006. L'histoire d'Origine est entre guillemets assez simple. Elle reprend des thèmes qui sont très chers aux Japonais, qu'on retrouve beaucoup dans l'animation japonaise, dans les mangas, dans les films, etc. Tout ce qui a trait en fait à l'écologie, mais l'écologie c'est au sens large, c'est-à-dire plutôt la place de l'homme sur la planète et l'impact en fait de l'activité humaine sur le monde. Avec des antagonistes, homme d'un côté, nature de l'autre, comment vivre en harmonie, l'homme qui cherche à écraser la nature, qui du coup cherche à reprendre ses droits, etc. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'histoire, que vous situiez un petit peu plus le film. Donc il faut savoir que l'histoire se situe 300 ans après notre ère, donc 300 ans dans le futur. Et le monde a radicalement changé puisque suite à des expérimentations qui ont été faites sur les plantes, des expérimentations qui ont été faites sur la Lune, je pense que vous l'avez vu dans l'introduction en fait, où on voit une base avec des plantes dans une sorte de sphère, etc. Qui sont implantées sur la Lune. Ouais, donc il y a des scientifiques qui ont fait des expérimentations sur les plantes, mais ça a mal tourné. Et du coup les plantes ont développé une conscience en fait et une pensée. Et du coup, se sont échappés et se sont écrasés sur Terre. Et du coup, ça a provoqué des explosions, enfin des cataclysmes, etc. Du coup, énormément de gens sont morts. Et en fait, la nature, du coup, a repris ses droits. Elles ont repris leurs droits, elles se sont réimplantées partout, et en fait, elles sont devenues très hostiles par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que elles rationnent en fait les humains en eau, par exemple. Elles tolèrent pas qu'ils aillent où ils veulent, comme ils le veulent. Au milieu de la forêt en tout cas. C'est devenu du coup très compliqué de vivre en harmonie avec la nature. Donc bien évidemment c'est un état assez instable qui ne peut pas perdurer. Et du coup il y a deux clans en fait. Alors on nous présente deux groupes de personnes. On nous présente pas toute l'humanité, mais en tout cas on nous présente deux groupes de personnes qui ont donc une importance majeure dans l'histoire. Donc on a d'un côté un groupe de personnes qui veut vivre en fait en harmonie avec la nature, c'est-à-dire respecter les règles que la forêt, l'esprit de la forêt, enfin voilà, leur impose. Et d'un autre côté, il y a une population de personnes qui veut anéantir en fait l'esprit de la forêt. Qui veut en fait retrouver la nature à son état d'origine comme elle était avant que les expériences sur la Lune dégénèrent. Et du coup dans ce contexte-là, on a un jeune garçon, donc lui qui vit dans ce qu'ils appellent la cité neutre, donc la ville en fait où vivent les gens qui cherchent à vivre en harmonie avec la nature, etc. En fait, par accident, il finit par trouver et réveiller en fait une jeune fille qui était maintenue en sommeil artificiel. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille, donc du nom de Tula, en sachant que le personnage principal s'appelle Agito, donc Tula en fait a été mise en sommeil il y a 300 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle a assisté en fait au cataclysme, c'est-à-dire les plantes qui se sont écrasées sur Terre, etc. Et en fait, elle a été endormie jusque-là, et en fait, elle découvre du coup le monde comme il est actuellement. Sauf que, apparemment, le réveil de cette jeune fille va tout bouleverser, et que du coup, l'esprit de la forêt voit d'un très mauvais œil le fait qu'elle se soit réveillée et la prend comme une menace. Donc voilà à peu près le résumé de l'histoire. Et pourquoi est-ce que moi j'avais envie de vous faire découvrir ce film qui, au premier abord, semble quand même.
effectivement assez similaire à ce qu'on peut trouver sur ce genre de thème. Ben, tout simplement pour plusieurs raisons. Déjà, je le trouve graphiquement très beau. Alors, je pense que vous avez vu dans l'introduction, déjà, la qualité de l'animation. Il y a aussi des incorporations 3D qui sont faites, qui fonctionnent des fois bien, des fois moins bien. C'est un film qui est sorti en 2006. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je l'avais vu, toujours pareil, dans un cinéma d'art et essai. Je l'avais trouvé vraiment très joli. Les dessins sont très beaux et je l'ai revu du coup il n'y a pas longtemps et je les trouve toujours aussi beaux. Par contre, c'est vrai que l'incorporation par moment de la 3D est vraiment datée quoi. La 3D avec les plantes, je trouve que c'est très joli, ça a toujours de la gueule, il n'y a pas de souci. Par contre, la 3D, à certains moments avec les machines de guerre, enfin là par contre, ça fait vraiment dater. Il y a la scène aussi avec le train, enfin voilà, c'est malheureusement. Je pense qu'ils auraient dû pour le coup dessiner tous ces. Enfin qu'ils auraient dû dessiner et pas utiliser de la 3D. Mais bon tant pis. Ça gâche un petit peu l'esthétique du film, mais heureusement ça représente une minorité du film, donc ça va. Donc du coup voilà, il y a déjà les dessins, les couleurs aussi, la mise en scène aussi, qui est vraiment sympa. Et on a la musique. Notamment l'artiste Kokea qui a chanté, qui a composé, chanté. La musique d'intro, donc qu'on entend en tout premier lieu dans le film et qu'on réentend aussi un petit peu plus tard. Et on a aussi des musiques dans le film d'ambiance qui sont assez sympas, mais je trouve que c'est surtout la musique de Kokea qui ressort le plus. Je trouve qu'elle est vraiment super belle. Donc, mis à part le côté esthétique, la musique, etc., il y a du coup, comme je le disais en fait en amont, il y a cette histoire de conte philosophique, écologique, etc. Donc on retrouve beaucoup hein, dans l'animation japonaise, mais c'est pas grave. Personnellement, je m'en lasse pas. Alors je sais que ça peut en lasser certains. Dans les critiques négatives que j'ai vues de ce film, c'était surtout ça. C'était des gens qui disaient « oui, encore un film sur ce thème, etc. » Oui, oui, c'est vrai. Mais je vois pas trop où est le problème en sachant que c'est un thème qui est toujours d'actualité en fait. C'est toujours des questions qui se posent actuellement, je veux dire, c'est l'écologie, c'est l'impact de l'activité humaine sur la planète, le devenir de la planète, le devenir de l'humanité, le devenir de la nature, des plantes, des animaux, etc. Tout ça, c'est des questions actuelles. Et du coup, je vois pas trop où est le souci de voir des films qui... Enfin, des films ou autres, hein, qui nous le rappellent toujours un petit peu. Je trouve aussi que c'est intéressant, du coup, d'avoir ce concept de nature consciente et pensante. On le retrouve du coup dans Nausicaa, enfin pas tout à fait en fait dans Nausicaa, c'est pas que la nature est consciente et pensante. Dans Nausicaa en fait la nature est devenue toxique, la forêt est devenue toxique, du coup les humains ne peuvent plus y aller comme ils le veulent, les insectes sont devenus immenses, enfin voilà. La nature est elle aussi agressive, entre guillemets, assez agressive, mais elle n'a pas d'entité consciente et pensante au sens, enfin comme dans le film Origine. On le retrouve davantage dans le film par exemple Princesse Mononoke, de Hayao Miyazaki, où on a des esprits de la forêt, comme dans le film Origine, on a des esprits de la forêt qui sont matérialisés par des gigantesques animaux, comme des sangliers géants, des loups géants, etc. Là, on le retrouve du coup sous l'image de deux jumelles, deux jeunes filles, enfin deux personnages à l'apparence humaine, mais qui font partie de la forêt et qui en fait représentent la conscience de la forêt et qui octroient certains privilèges à des hommes en fait qui viendraient au cœur de la forêt pour demander de l'aide. Le film me rappelle aussi que la nature est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que les humains sont nés de la nature et qui n'y sont pas indépendants et qui ne peuvent pas du coup s'en passer et qui n'ont du coup aucun droit de chercher à l'exploiter. Cette idée elle est matérialisée à un moment donné dans le film par une scène où en fait le personnage principal renaît grâce à la nature. Voilà, donc moi j'ai trouvé ce film, quand je l'avais vu il y a 10 ans, je l'avais trouvé très joli, il m'avait marqué, j'avais envie de le revoir aujourd'hui, et j'ai été un petit peu, entre guillemets, alors je trouve toujours aussi bien, mais j'ai été un petit peu déçue, parce que du coup il y a 10 ans, j'étais plus jeune, j'avais pas le même recul. Aujourd'hui je me dis mince quand même, c'est un film qui est très bien, mais malheureusement il a quand même quelques points noirs, je pense. Donc il y a déjà, comme je vous disais, ce problème de 3D qui est par moments mal incorporé parce que datée, à l'époque elle était bien, mais aujourd'hui malheureusement elle rend beaucoup moins bien sur écran.
Il y a aussi le problème, je trouve, que certains personnages ne sont pas assez approfondis. Surtout, et la relation aussi entre certains personnages. Par exemple, Agito, le personnage principal, s'attache très vite à Tula, quitte à tout sacrifier pour elle, à tout sacrifier pour absolument, pour absolument la sauver. Et que du coup, voilà, moi ça me semble quand même un petit peu dommage d'avoir précipité les choses comme ça, de pas avoir pris un peu plus le temps de développer leur relation, etc. On a l'impression que du coup ça se joue plus sur un coup de foudre que sur vraiment une relation sincère et approfondie. Enfin, je pense que leur relation est sincère, mais qu'elle est pas assez approfondie pour qu'ils risquent autant de choses pour elle. Mais bon, voilà, c'est en même temps en 1h30 de film, je pense qu'on peut pas tout montrer, mais c'est un peu dommage. Mais malgré tout, ça reste quand même un film très très sympa à voir, et du coup je vous le recommande très fortement. Et voilà, cette émission est terminée, je vous retrouve très prochainement pour la 6e émission, à bientôt.